Yo les reilles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je compte sur vous tout simplement pour liker, à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo, car ça reste important. Pourquoi ? Car aujourd'hui, il va y avoir différentes choses. Mais aujourd'hui, on va tout simplement parler de Shindo Life, ou tout simplement le jeu qui ne réussit pas, ou réussit. À vous de me dire dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de l'arrivée de Shindo, de tout ce qui se passe. En tout cas, je vous ai posé une question. Regardez, je vous ai posé une question sur Discord, bien sûr. Regardez ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé, alors tout simplement, ça raconte quoi Shindo Life? Eh ben, peut-être que j'ai une communauté Blox Fruits, mais à ce que je vois, c'est que il y a des nouvelles mises à jour, il y a des nouvelles choses, il y a différents types de choses. Bien sûr, je parle avec mon Discord, tout le monde aime bien quand je parle avec le Discord. Je joue plus depuis la match de copyright, je pense que la match des copyrights, ça a un peu tué les joueurs, car c'était dégueulasse limite. Maintenant, il y a une nouvelle mise à jour, il y a différents types de codes, je vous les mettrai après. Maintenant que c'est plus vraiment du Naruto, il commence à faire des trucs qui n'existent pas, comme l'élément Yin et Yang. Attention, c'est stylé, mais c'est juste que c'est plus du Naruto. C'est trop du tryhard, même pour avoir un fruit, c'est du tryhard. Aujourd'hui, on va découvrir différentes choses. Comme je crois pas, je pose une deuxième question aux abonnés. Pour vous, c'est la fin de Shindo Life, oui. Déjà, après la match, c'était pas ouf pour les Jubi, etc. On devait tryhard pour augmenter de rang. N'hésitez pas à débattre de ça dans les commentaires, c'est très important. Et c'était pas de ouf de tryhard chaque jour pour la fin être nul. Parce que ça ressemble plus à du Naruto, ok, c'est stylé, mais... Mais même rien que pour level up et rank up, c'est devenu chiant. Je suis totalement d'accord avec vous. Honnêtement, je crois pas. Il va sûrement avoir toujours une commu là-dedans. Mais je pense plus comme celle de la hype du début de jeu. Après, en ce moment, tout le monde parle de la hype de Shindo Life. Mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est que les chiffres parlent. Je sais pas pourquoi, mais sûrement il doit y avoir une grosse mise à jour qui vient d'arriver. Et aujourd'hui, on va les découvrir d'une façon ou d'une autre. Mais avant tout, on va d'abord analyser la vidéo du créateur qui nous propose une petite vidéo pour ses 1 million d'abonnés d'ailleurs. Et on va tout simplement voir ce que ça donne. Si vous aimez bien la vidéo comme ça, likez, abonnez-vous. Un maximum de likes, hein, je compte sur vous. J'aime bien les petites vidéos, la fin de Shindo Life, l'arrivée d'Ossi, l'explosion. Ok, il nous raconte un peu sa vie. Il nous montre que ils ont réussi à avoir... C'est quoi ça? Non. Non, n'abusez pas, on n'est pas sur Star Wars. J'ai bien vu ce qu'il y a. Mais non, on est sur Star Wars maintenant. Mais non. Ils abusent. C'est cool, c'est hyper lourd. Mais on est sur Star Wars là. Après, j'aurais un jeu, j'aurais fait pareil, c'est sûr, mais... Genre là. Non, les gars, ils abusent, non. Non. Genre dans sa vie, c'est dit, ok, on passe de Naruto à Star Wars. Ok. Obélisk, c'est quoi ça? C'est une nouvelle arme qui est sortie aussi? En vrai, ça a l'air cool, mais... on n'est pas sur Star Wars, quoi. Ok, bon, je pense que c'est pour la commu. Après, ça reste une très bonne arme, elle a l'air bien, elle a l'air cool. De faire des bonnes attaques. Dites-moi ce que vous en pensez de cette arme pour ceux qui l'ont déjà testée. Ok. Non, par contre, ils abusent. Ça fait trop. Ça fait trop Star Wars. C'est quoi sa conquête? Je suis silencieux parce que je suis un peu intéressé. Je pense que c'est un truc de capture de drapeau comme ce qu'il vient de dire. Ah, c'est un truc de caractère création map. Ok. En vrai, ça peut être cool, ça me fait penser un peu à de la capture de drapeau dans Call of. Bon, je sais que c'est nul, mais... Ok, il montre... Après, on va ouvrir un peu, on va voir ce qu'on peut avoir dans le jeu, tout simplement. N'hésitez pas à liker si vous voulez des vidéos informatives sur des jeux comme celle-là, où on découvre un peu ce qu'il y a des nouveaux... les nouveautés de Shindo Life, tout simplement. Ok, bon, il m'a montré ça. Le plus important, on veut voir la nouveauté. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, très très important. C'est grâce à ça que vous pouvez jouer avec moi ou n'importe. J'en ai pas parlé, tellement je suis enrhumé. Ok, apparemment ils ont été améliorés. Bon, il y a un Godzilla, logique. C'est à la mode.
Ça va, celui-là il ressemble un peu. Ça aussi. Celui-là Godzilla, bon, tortue géniale quoi. Ça, oui. Tac, mais lui il pense qu'aux chiffres. Il pense... Après c'est normal. Mais il pense qu'aux chiffres. Bon, ça on dirait un scarabée. On se crée sur Arc finalement. C'est quoi ça, Rayquaza en haut? Ah ouais, c'était Rayquaza, je suis trop fort. Attends, montre-moi Rayquaza. Montre-le. Ah oui, quand même. Ils ont fait tout ça en une semaine? Oh, non, en un week-end. Bah, une semaine, quoi. Trop fort. Avec les chevaliers de Pégase. Ok, ça a l'air cool. On va découvrir tout simplement ça en jeu. Hein. Apparemment, il y a différents types de niveaux. Et tout simplement, on découvre... Bah, Shindo, on voit si on peut avoir des bons esprits. Bien sûr, moi, je ferai que d'ouvrir aujourd'hui. Si vous voulez la vraie découverte, on la fera dans une autre vidéo et on parlera. Là, on voulait juste savoir qu'est-ce que la communauté pense de Shindo Life en ce moment. Et ça, c'est très, très important. Et du coup, bah, ça part tout de suite sur une découverte de Shindo Life avec nos codes que les abonnés ils ont mis, qui sont en train de débattre sur Shindo. Je crois que c'est celle-là. 1000, c'est le nouveau code de Shindo Life. Je copie. Tac. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les codes aussi. Bon, on lance le Roblox. Très très important. Ok, on est de retour. Et tout simplement, je vois qu'il y a... Bah le logo il a changé. Attends. Ah c'est toujours la même musique. Toujours la petite musique. Le petit personnage qui devient maintenant... Ouais, connu. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Est-ce qu'on peut tester? Ok, maintenant il fait ça. Ok. Free rewards. Non, je veux pas parce que j'en ai jamais eu. Arena. Compétitif. Jamais testé le compétitif, ça doit être lourd de ouf. Est-ce que vous me conseillez de faire du compétitif? Est-ce que vous me conseillez de faire du compète? Par contre, l'histoire, j'aurais kiffé la faire. Si quelqu'un a le truc story, dites-le moi dans les commentaires. Donc là, si je fais 1000, ça marche. Code accepté, c'est un son speed incroyable. Bloodline. Attention. Par contre, je sais pas à quoi il ressemble le nouveau Bloodline. On va spin genre 50. Peut-être on aura de la chance. Ça fait longtemps qu'on n'a pas spin de les streams. Bunkai, il y a comment. C'est quoi le nouveau? Il s'appelle comment le nouveau? Sound. Bah, de toute façon, si j'en vois un qui est nouveau, je prends. J'ai tout simplement ça à prendre. Eh. Mais dommage qu'on sait pas un peu ce qu'il y a en ce moment. Attends, je vais aller voir Ability Bug. Je pense que c'est ça. Ouais. Ok, nickel. Là, on peut voir. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? De toute façon, on les verra normalement. Ils sont à la fin. Ah oui, il y en a beaucoup. Yang. Ah, 150. Ah oui, c'est le Yin et le Yang. C'est ça qui a été ajouté. C'est le truc de bulle bizarre, là. Incroyable, ouais. Ouais. Ah, je suis en train de m'emporter. Mais ouais, ça reste quand même très intéressant. Heureusement que j'en ai déjà. Si vous voulez que je refasse des streams, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il y a moyen qu'on en fasse. Bien sûr, je l'ai déjà le pouvoir, hein. Ne chialez pas. Je peux le mettre quand je veux, alors que je veux, tout se passe bien. Vous inquiétez pas. Donc, tout se passe bien. Attention, peut-être quelque chose de bien. Je vais ouvrir 10 pour la vidéo en vrai, parce que j'ai la flemme de continuer à ouvrir. Vous savez, je suis pas là pour ouvrir, je suis là pour... Ah, Bubble. J'avais eu Bubble? Non, j'ai pas eu Bubble. Allez. J'ai dit 10, mais en vrai, encore un petit peu de 5. C'est vrai que ça va vite. On a quoi? On a 10... On a rien. Ne dis pas que j'ai le Tengoku, ce serait drôle. Non, j'ai que de l'annualité pour la vidéo. Vous n'êtes pas gâtés. Vous n'êtes pas gâtés pour une fois. On est là pour parler un peu... Bah, de ça, là? Ah oui, c'est vraiment la musique qu'il me faut, là. C'est quoi ça? Que de l'annualité. En tout cas, si vous voulez qu'on relive, n'hésitez pas à liker. Très important. Attention aux dernières ouvertures. Éclaté. C'est bon, je suis éclaté. Je vous montre pas parce que je sais que c'est nul. Oh, j'ai eu un truc de ouf. Vous voulez voir? Non, je rigole. C'est juste Apollo Sand, je sais pas quoi. Et nullité. Donc, le troll, le retour du troll. Non, je rigole, mais en ce moment, on a rien. C'est nul.
S'éclater. Ouais. Ok. En tout cas, c'était Akimo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement dans la semaine, sûrement dans les jours à venir. Bye. Peace. Dormez bien. Et bye.